Nobody can tell me that God is not patient. Cause girl with you, he took his time. Coucou l'ami, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog. Alors j'ai pas commencé hier étant donné que là aujourd'hui on est mardi. J'ai commencé mardi parce que hier j'avais pas pensé à faire un weekly vlog. Mais comme j'ai eu de bons retours sur mes réseaux, il y a eu des messages qui m'ont fait un peu voilà quoi. Quand on m'a dit que mes montages étaient bien faits, que je m'améliorais et tout, je me suis dit hey, attendez je vais refaire encore. Ne m'inquiétez pas, je vais refaire encore. Du coup, là aujourd'hui, on va aller au city de ma ville. On va faire un peu de sport histoire de se mettre un peu en forme. Et en plus, comme c'est des vacances, bah, je vais profiter de faire des weekly vlogs parce que quand l'école va reprendre, le travail, etc. Enfin bref, tout le monde n'aura pas le temps de regarder et puis on sera trop préoccupé par autre chose. Du coup, là, programme, faire un peu de sport. Ensuite, le petit Elion là. Le petit Elion, c'est pas hier, il me dit Michel, tu sais pourquoi tu fais pas une vidéo tiramisu pour ta chaîne YouTube? Genre maintenant c'est le petit me donne des inspi pour mes vidéos. C'est à dire que bon, là on va aller faire du sport, après on va aller à Carrefour. Et quand on rentre on va faire le tiramisu. Et puis voilà hein. On va acheter les ingrédients et tout parce qu'en soi on n'a pas tout à la maison. Du coup je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Et puis voilà, on va pas trop parler, on se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'on va prendre le bus ou on va marcher, je sais pas. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et dans cette famille c'est grave. Là moi je suis prête depuis ce matin. Mais il faut qu'on attende que les autres soient prêtes. Du coup là, j'attends. J'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Et quand je vous dis que ma passion c'est dormir, je pense que ça doit être reconnu genre comme passion. Genre sur mon CV je dois marquer centre d'intérêt, dormir. C'est trop bien de dormir, genre c'est trop bien, je vous jure, c'est relaxant. C'est, t'oublies tout, t'es... Vous entendez des bruits de porte? Ça c'est les gens qui rentrent à cette fois. Il y en a marre, il y en a marre, dépêchez-vous. Ah, menteuse. Ah, va là-bas. Donc, Elion et moi, là, on va prendre la trottinette. Tout le monde est déjà parti. On va prendre la trottinette, on va aller au city, du coup. Et ben, on se retrouve au city directement. Tout le monde sauf Gloire. Gloire, faut savoir que c'est la retardataire de la famille. La poteau, elle est déjà en retard. On va faire du sport, elle met du parfum, elle se fait belle. Elle se croit pour la Beyoncé. Non, mais on comprend pas en fait. Du coup, là, on l'attend. Voilà. Ouais. On l'attend. La daronne a fait la meuf avec ses lunettes. On sait pas pourquoi. Du coup. Elle n'y a pas de parc au parc aussi. MDR, bref. Du coup, moi, je suis avec la trottinette et puis voilà. Donc là, on est sur le terrain de basket. On va commencer par un match. Tout d'abord, on va commencer par les entraînements. Donc là, on fait comment? On s'entraîne juste comme ça ou on fait les équipes? D'abord, on fait des entraînements. D'abord, on fait les entraînements sans équipe? Ouais. Sans équipe? Ouais. Ok. D'abord, on fait des tirs. On va d'abord faire des tirs. Non, d'abord, faut échauffer le corps et après, on fera les tirs. Donc, allez, c'est parti. Thank you.
l'hydratation, c'est super important. Là, on a couru, on a fait pas beaucoup de sport, mais je suis déjà essoufflée. Boire de l'eau, c'est très important. Du coup, là, on va passer au tir. Donc, c'est juste histoire de s'entraîner. On va essayer de voir le niveau de chacun. Et puis voilà, c'est parti. Looms on the track, baby. Là, vous allez perdre. La vie, on a gagné grâce à ça. Ouais, c'est voilà. Bon. Ok, ok, Hélène, viens. Ok, le nom de notre équipe, c'est quoi? Réfléchis, trouvez le nom de votre équipe. Attends. À Portugal. Portugal. Ouais. Okay. Yvette, le winner. Encore une fois? Non, non, les deux. Ok. D'accord. Vous êtes combien là? Deux? Ouais. Ah, c'est pas réglo, hein, c'est pas de la triche. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Et l'autre, c'est le capitaine de notre équipe. Qui est le capitaine de votre équipe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! C'est Eden, capitaine de l'équipe. Ouais. Pour nous tuer, wesh! Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a oublié que j'ai l'arbitre, wesh! Elle a oublié que j'ai l'arbitre, wesh! Si je touche. Par exemple, je touche Ketia. Ouais. Et le chat. Okay. Et toi, t'es libérée, du coup, t'es plus le chat. Oui. Et là, je suis la souris. Ok. Ok. Merci, Hélène, pour ces explications en or. C'est là. Voilà. Okay. Merci, Hélène. Du coup, là, deuxième jeu, on va faire un chat. Moi, je vous cache pas, je suis un peu vieille. D'ailleurs, j'espère que je vais pas me faire attraper. Et puis voilà. Eh, hey, pardon, j'ai chaud. Courir comme ça, là, ça faisait trop longtemps. Pardon. C'est toi qui sors au bout de 3, 1, 2, 3. Ketcha, c'est toi le chat. Oh non! Et voilà Daronne, elle tape sa sieste, maintenant après ça c'est moule. On la laisse dormir après que nous, on prépare notre choré. Bonne nuit maman. Direction Carrefour.
on rentre. Il y a mon jumeau qui est là. Lui, c'est mon jumeau, lui. Salut. Lui, c'est mon jumeau. Du coup, là, on va à Carrefour. On va prendre les ingrédients qui manquent pour le tiramisu ce soir. Et puis voilà, on se retrouve à Carrefour. En fait, j'ai remarqué, à chaque vlog, je suis à Carrefour. J'aime trop. En fait, Carrefour, c'est ma deuxième maison. Carrefour, c'est trop. Je suis tout le temps à Carrefour. Tout le temps. Bref, rendez-vous dans ma deuxième maison là-bas à Carrefour. Ma deuxième maison, Carrefour. Regardez toute ma tribu là. Mon équipe de foot. C'est pas vrai. Donc là, on est rentré. Moi et Lyon, on a pris la trottinette. Du coup, on est rentré beaucoup plus vite que les autres. Là, on attend les autres pour commencer le tiramisu. Parce qu'elles ont tous les sacs et tout. Du coup, voilà. Je crois que dès qu'elles arrivent, on va commencer. Ou je sais pas. Mais voilà, on attend que les filles arrivent. Du coup, là, c'est bon, les filles, elles sont rentrées. Du coup, il y a les sacs ici. Eden, elle est en train de ranger ce qu'on a acheté. Donc là, moi, je vais juste ressortir vite fait, retirer. Et après, on va faire le tiramisu. Donc, tout à l'heure. Et puis voilà, à tout de suite. Bon, moi perso, j'ai bien mangé mes poulets. Eux, ils sont en train de jouer au jeu de quoi? Du jeu de cette famille. Du coup, là, j'attends qu'ils finissent leur partie. Et dès qu'ils ont fini, on passe au tiramisu. Donc là, on va commencer les tiramisu. Donc là, on va faire au spéculoos, M&M's, Oreo. Donc là, j'ai pris la mascarpone, les œufs, enfin, tout ce qu'on aura besoin. Donc c'est parti, en fait. Du coup là pour commencer on prend du café, donc là c'est de la chicorée qu'on va venir mélanger avec de l'eau. Donc là c'est pour les boudoirs. Tiens ça tombe même pas. Et mamé. Bon je pense que là c'est bon. Les boudoirs, là c'est le saladier dans lequel on va faire un tiramisu. On va en faire trois du coup comme je disais. Donc là on va faire quoi? On va mettre les boudoirs dans l'eau avec le café. Du coup Du coup là les trois tiramisu sont prêts, celui-là c'est le mien, celui-là c'est celui d'Eden et celui-là c'est celui de Gloire et Ketcha. Donnez une note pour celui qui est le mieux fait, lui c'est le mieux fait, c'est le mien. Moi personnellement, ah oui c'est le mien avec Elion. Non moi personnellement je suis pas dedans. Toi tu veux lui? Bon c'est lui avec... Moi je suis avec Chelsea. Non, non, oui. Je suis toute seule. Non mais moi je suis avec moi je suis perso, ça c'est Ketcha et Gloire, non ça c'est Eden. Oui. Ah,
Moi, c'est Oreo. Moi, personnellement, c'est Oreo. Moi aussi, c'est Oreo. Non, mais le plus beau, c'est lui. Le plus beau pour moi, c'est lui. Ouais, mais sinon, le Oreo, c'est beau. Ok. Il est trop beau. Mais parce que nous, on l'a jamais goûté, donc. Je pense que ça sera lui, parce que c'est M&M's là. Ok. Bon, donnez une note dans les commentaires pour celui qui est le mieux fait, donc le tiramisu le mieux fait. Donnez une note sur 10 dans les commentaires. Allez. Eh, la mif, quand je vous dis je suis KO. Oh là là, je suis trop fatiguée. Regardez mes cernes, genre. Regardez. C'est n'importe quoi. Du coup, là, on a mis les tiramisu au frais. Moi, je vais manger des lasagnes tout à l'heure. Je sais pas si on va faire des jeux au final. On était censé faire des jeux et tout. On a acheté un Uno et tout. Mais vu comment je suis KO, je ne sais pas trop si je vais jouer. En tout cas, à tout à l'heure quand je vais manger, hein. Bon, la mif, je vous cache pas, j'ai déjà mangé parce que j'avais faim et je me suis dit, plus vite je mange, plus vite je vais dormir. Du coup, là, on va se laisser là, on se retrouve demain. Donc voilà, bonne nuit à vous, je vous fais de gros bisous, mouah, à demain. De la galerie d'art, je suis avec Loire. Du coup, là on va manger parce qu'on a faim. Et puis voilà, dans tous les cas, je vais vous montrer les photos que j'ai fait après. Et puis voilà, là je suis à Château d'eau donc je vais arrêter de filmer parce que déjà, voilà. De un, c'est chat et de deux, je pourrais qu'on prenne nos téléphones. Voilà. Là, la mif, on est mardi. Faut savoir que je suis fatiguée. Genre, je suis trop KO, j'ai pas bien dormi et tout. Et là, on va pour une collaboration dans une institut à Juvisy. Du coup, dans tous les cas, vous allez me suivre et tout. Là, on va prendre les transports, tout ça. Et voilà. Et quand je vous dis que je suis fatiguée, les règles, la chaleur, ça me. Et du coup, bon, on se retrouve là-bas. Hein. Voilà. Merci.
Donc là, clairement, c'est n'importe quoi. Ma perruque, elle est gonflée. Donc là, je vais essayer de dégonfler tout ça, faire des petits pépinières et tout. Là, vous avez vu, les mèches, elles sont même pas lissées. On dirait une folle. Mais bon, je vais faire tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Enfin, on se retrouve quand j'aurai fini, je pense. Et puis voilà, hein, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Regardez. Regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? A tout de suite. J'espère que vous allez bien, moi ça va au top, ça va à merveille, par la grâce de Dieu. Donc, premièrement, je tiens à m'excuser. Je m'excuse, je vous demande pardon population, parce que ce vlog, c'est clairement n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis blessée, ce qui a fait que j'ai pas pu être active et tout, parce que ça a bousillé ma semaine. Quand je vous dis bousiller ma semaine, ça l'a bousillé. Du coup, je me reconstruis, on va dire, entre parenthèses. Donc là, j'ai quelques cicatrices, mais ça commence à partir. Tant mieux. Donc là, je reprends le vlog. Mais du coup, ce sera pas un vlog très très long. Je vais essayer de faire un autre vlog avant la rentrée. Mais je vous garantis rien. Mais en tout cas, vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je vous demande mille fois pardon, population. Voyez-moi comme une petite sœur. Je me suis blessée. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais voilà, donc là, je vais quand même essayer de finir le vlog parce qu'il avait quand même assez bien commencé. Donc là, la journée d'aujourd'hui, je vais maquiller deux personnes, donc deux clientes qui vont venir chez moi. Je suis un peu stressée parce que moi, j'ai que maquillé ma mère. Ça veut dire que... Imagine, je les rate. En plus, c'est pour un mariage. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment intérêt à dette. Si je dette pas ça, c'est chaud. Franchement, si je dette pas ça, c'est chaud. Mais bon, je suis confiante. Je me dis que ça va le faire. Oui, donc là, je les attends. Je leur ai acheté de quoi boire, manger et tout. Donc là, franchement, on les attend. On les attend. J'espère que ça va bien se passer. Franchement, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Imaginez ça se passe mal, genre. Imaginez, je les loupe. Non, je peux pas les louper. Je peux pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Du coup, j'attends qu'elles arrivent et tout. Et je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, voilà. Et après, on verra la suite de la journée. Mais du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et bah, on attend qu'elles arrivent, hein, tout simplement. Ah oui, avant qu'elles arrivent, je voulais vous redire quelque chose. Il y a quelques petits trucs que j'ai filmés. Donc, c'est-à-dire que là, cette semaine, j'ai eu un blanchiment dentaire, j'ai eu des soins et tout. Enfin, il y a quelques trucs que j'ai fait. Du coup, je vais les inclure dans le vlog. Mais il y a des moments où je vais pas trop parler et tout. Il y aura que des petites vidéos. Parce que franchement, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Mais voilà. Du coup, là, le prochain vlog, je vous promets que ce sera un vlog vraiment de qualité, de qualité. Il n'y aura pas de trucs bizarres, il n'y aura pas de moments où je n'ai pas filmé tout. Enfin, voilà, il faut vraiment que je m'exerce au niveau des vlogs parce que des fois, c'est compliqué à faire. Hein. Franchement, des fois, c'est compliqué à faire. Mais du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire avant que bah, je vous montre d'autres séquences et tout. Mais voilà, donc il y a d'autres séquences de l'autre semaine et de cette semaine. En fait, c'est un vlog sur deux semaines. J'ai essayé de couper un peu ce que j'ai fait la semaine dernière et cette semaine. Je sais pas si on se comprend, mais je pense qu'on se comprend. Du coup, bah voilà. Voilà, voilà. Allez, on attend les clientes. Voilà. Là, j'attends toujours les clientes. Le stress, il commence un peu à monter. Parce qu'en soi, je me dis déjà, c'est pas une personne, mais deux personnes. Et j'ai grave pas intérêt à me louper, genre. Je peux pas me louper. Je peux pas. Je n'ai pas le droit. Donc, putain. Que se dépêche, pardon, j'ai peur. Bon, j'ai fini de les maquiller. Je suis exténuée, je suis KO. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles ont kiffé leur make-up. Du coup, moi, je vais manger. Je sais pas ce que je vais faire après. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu les filmer une par une. Donc là, je vais essayer de vous mettre les
de vidéos que j'ai pu prendre. Sinon, je suis fière de mon travail. Je trouve que pour une débutante, ça va, genre. Mais voilà, hein, du coup, je vais aller manger. Et si je filme pas, c'est que je suis KO, je suis en train de dormir. Et du coup, je vous souhaite bonne soirée en avance. Et si je filme, bah, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, la mif, on va à l'église. Donc là, il y a tout le monde en train de faire ma famille et tout. J'ai oublié de vous prendre le matin parce que le temps que je me prépare un peu et tout, ça n'est rien. Du coup, là, je suis dans les transports pour me rendre à l'église, tout simplement. Donc là, je suis bien arrivée dans la vue de mon église. Là, je vais juste aller à l'épicerie pour faire de la monnaie pour l'offrande et m'acheter un truc à manger parce que j'ai faim. J'ai genre super faim. Et après, voilà. Hein. Bah, je pense qu'on va se retrouver après la fin du culte. Parce que j'ai pas fini pendant le culte. Mais du coup, voilà. Voilà, voilà. Je suis tellement, mais tellement KO. Là, on vient d'arriver. Pour vous dire, j'ai dormi à l'église tellement j'étais fatiguée. Genre. Là, on vient d'arriver à la gare. Du coup, on va rentrer à la maison. J'espère qu'on aura un bus. Parce que, les bus dans ma ville, c'est toute une histoire. Bon, voilà, ils s'incrustent dans le vlog, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est tout un problème. Pour avoir un bus ici, c'est tout un problème. Voilà, elle le sait. Elle, là, c'est une escroc. Hein. Hier, je l'ai filmé, elle a dit non, ne filme pas et tout, nanani, nanana. Maintenant, elle fait sa belle. Ouais, du coup, bon, là, on va attendre le bus. J'espère qu'il va arriver. Parce que je suis tellement, tellement fatiguée. Genre, cette semaine, elle m'a épuisée. Là, je vais rentrer, je vais me faire à manger. Et après, je pense que j'arrêterai le vlog. Mais je suis trop KO, là. Je suis trop, trop KO. Bon, on se retrouve à la maison. Là, la mif, je viens de rentrer à la maison. Faut voir la pluie dehors. On est rentré à temps. Genre, on a eu un bus. Dieu merci. Ouais, donc là je vais faire à manger, j'attends que le poulet décongèle. Je vais me faire des poulets façon frit là, avec la chapelure et tout, et des frites. Et du coup voilà, hein. T'affiche. Bref, regardez ma perruque, je l'ai attachée, on dirait une maman bimba, on dirait une veille. Hein. Mais du coup voilà, je me suis mis en pyjama et tout. Donc je pense qu'on va se retrouver dans la cuisine. Je vais vous montrer comment je fais mon poulet dessous. Voilà, mais je suis trop KO. Je sais pas, j'ai dit combien de fois, mais je suis KO. Cette semaine m'a épuisée. Donc là, je vais manger. Après, je vais me poser. Je vais appeler mon daguichou. Je m'affiche. Bon, bref, on se retrouve dans la cuisine. Donc là, on va aller dans la cuisine. Regardez dehors. Attendez. Ah, mais j'oublie tout le temps que je suis pas sur Snap. C'est-à-dire que je peux pas retourner la caméra. Mais regardez comment il fait moche. Regardez. On est rentré vraiment à temps. À temps. Donc là... mon poulet, je l'ai sorti, il est là. Et les frites, elles sont là. Du coup, j'attends que le poulet décongèle. Quand il a fini de décongeler, je l'assaisonne et tout. Regardez ma lait, ça se décolle et tout. C'est n'importe quoi. Ouais, la daronne a arrêté de baigner. En fait, elle avait que montré ses beignets, genre, ouais. Mais voilà. Voilà, voilà. À la base, je voulais faire poulet avec des beignets. Bon, en fait, j'ai mangé des frites. Du coup, je fais des frites. Mais ouais, du coup, on attend que le poulet décongèle. Et voilà. Et voilà. Bon, bah, on se retrouve quand le poulet il a décongelé. Je suis là, je pars trop pour rien.
c'est une pure dinguerie. Je suis partie à 19h pile. Là, il est 21h, je sais pas combien. Pour vous dire, c'est vraiment trop loin. C'est vraiment trop loin. Genre, je suis partie à 19h. Il est 21h, je sais pas combien. C'est une dinguerie. Donc la mif, là, je viens de rentrer. Je suis extrêmement KO. Dites-vous, j'ai quitté la ville de Trappe à 18h58, un truc comme ça. Je suis arrivée chez moi. Il est 21h50. C'est une dinguerie. Clairement, c'est une dinguerie. Je suis KO. Depuis ce matin, je suis debout. Je suis exténuée. Donc voilà. Ensuite de ça, dans l'autre séquence, j'avais dit que ça allait être le dernier jour de vlog, mais en fait j'ai refilmé aujourd'hui pour vous montrer quand je suis partie poser ma perruque et tout. Donc c'est une amie à moi qui débute dans les poses de perruque. Donc voilà, là elle me l'a posée. Bon là j'ai un peu truc. Mais voilà, donc elle débute. Donc si vous voulez vous faire poser des perruques pas très chères, bah elle le fait à 20€. Dans tous les cas, je vais vous mettre le compte Instagram ici. Du coup, là, le vlog va vraiment s'achever pour de vrai, genre. Mais clairement, j'ai essayé de faire un truc potable. Mais les gars, j'ai sué, j'ai galéré. Ce vlog, j'ai cru qu'il allait jamais sortir. Du coup, bon, là, il va sortir. J'espère qu'il va vous plaire et tout. En tout cas, vu comment je me suis donnée et tout, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et puis voilà, là franchement je vais aller me démaquiller, je vais aller me reposer parce que je suis mais KO, même KO c'est un petit mot genre. Et je vous jure, c'est trop. Genre je sais pas combien de fois je l'ai répété, que j'étais fatiguée, que j'étais KO, que j'étais ceci, que j'étais exténuée, que... Mais c'est trop genre, trop c'est trop. Du coup bon, là je vais vraiment vous laisser. Je vous fais de gros bisous, vraiment de gros bisous là où vous êtes. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, il n'y a pas trop de choses à dire. Seulement, je vous fais des bisous. Allez, moi là-bas.